Yo les gars, de retour sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo, donc ça sera un live update. C'est vrai que ces derniers temps je vous parle pas beaucoup, c'est vrai que je filme pas beaucoup de vidéos, je suis pas trop active sur les réseaux en ce moment. J'essaye de revenir comme vous pouvez voir un peu sur YouTube et tout, d'être plus consistante, mais c'est vrai que c'est pas facile. Bon bref, je vais vous parler de tout ça dans la vidéo. Voilà, donc je trouvais que c'était important pour moi de faire cette vidéo pour vous mettre un peu à jour sur ce qui se passe avec moi et tout ça, et peut-être ça va même vous apprendre mieux à me connaître. Donc sur ce, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Donc c'est gratuit, vous savez déjà, donc abonnez-vous, laissez-moi des likes, partagez, commentez après avoir vu la vidéo bien évidemment, et ça vous a plu, bon vous savez déjà quoi faire. Et sur ce, on va passer directement à la vidéo. Bon les gars, donc pour commencer je voulais juste vous dire que en fait en parlant, je vais installer une pépée en fait que j'ai commandé de chez Icy Hair. Donc le paquet se présente comme ça. J'aime beaucoup commander de eux parce que je trouve que leur qualité est vraiment bien. La boîte est venue comme ça, donc évidemment il y avait la pépée qui était à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc je pense que ceux qui commandent de Icy Hair, vous savez un peu déjà qu'est-ce qui vient dans la boîte. Donc les cils, une petite carte, des wake caps. Donc ça c'est bien, ça vient assez souvent, habituellement en fait dans les boîtes. Donc voilà, donc je vais installer ma pépée, on va parler, un petit chic-chac et tout ça. Donc ma pépée, comme je vous ai dit, elle me vient de chez Icy Hair. Je pense que c'est une 14 pouces, si je suis sûre, je vais double check, puis je vais le mettre dans la description si vous êtes intéressé. Ces derniers temps, je sais pas, je suis vraiment dans le délire de porter des pépées courtes en fait. Les pépées longues, je pense que j'en ai trop mis, et là je sais pas, je vais juste changer de vibe, changer de mood, vous voyez un peu. J'ai déjà décoloré les nœuds, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai un petit peu customisé plus la pépée parce que je pense pas qu'elle vient customisée pour avoir un effet un petit peu plus naturel. Le update sur moi, c'est vrai que ces temps-ci je suis pas trop active sur mes stories comme j'ai l'habitude de l'être. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que moi habituellement je suis grave active par rapport aux stories et tout ça, mais ces derniers temps je suis plus sur la réserve parce que bref, à cause de tout ce qui se passe et tout ça, c'est vrai que je suis quand même en dépression. Je pense que beaucoup de gens sont en dépression, c'est normal avec tout ce qui se passe dans le monde et tout. Je vais pas vous mentir que ça m'affecte grave, pas juste par rapport à ce qui se passe au Covid et tout ça, mais vraiment même ce qui se passe dans les pays en Afrique, notamment au Cameroun ou même dans mon propre pays, hein, au Congo, ça me dévaste. Je suis pas dans cette situation, je suis pas en Afrique celle qui subit tout ça et tout, mais c'est quand même mon pays, c'est quand même mes frères, il y a quand même ma famille qui vit là-bas, donc c'est sûr que ça m'affecte vraiment. Donc je sais que le seul moyen qu'on peut faire en ce moment, c'est vraiment faire des dons, partager le plus possible et faire qu'on en parle en fait, parce que on parle pas beaucoup de ça sur les réseaux, même dans les nouvelles on parle pas trop de ça, c'est comme un petit peu un sujet caché que les gens évitent de parler, mais je pense qu'il faudrait vraiment en parler parce que si on fait rien, ben qui va faire quelque chose pour eux? Donc moi ça m'affecte vraiment, et en plus avec la COVID et tout, donc c'est sûr que c'est le commencement, ça vient juste de commencer et je pense que c'est là pour un bout. Gloire à Dieu, en tout cas moi j'ai pas encore attrapé la COVID, je dis pas encore parce qu'on sait jamais. J'espère pas l'attraper non plus. Mes frères et sœurs, ma famille, on ne l'a pas attrapé, donc je suis vraiment reconnaissante pour ça. Bref, je vais vous parler des positifs et des négatifs qui se passent en ce moment dans ma vie. Les positifs en fait, c'est que j'avais fait un vlog, je sais pas si certains l'ont vu, mais dans le vlog je disais que je me préparais en fait à commencer ma première semaine de stage. Donc j'ai commencé mes stages, donc je suis déjà même à la moitié de finir, donc mes stages durent 11 semaines, puis moi juste pour vous mettre un approximatif, je suis rendue à ma 6e ou 7e semaine de stage, donc je suis grave contente parce que ça se passe trop bien. Je vous ai jamais vraiment parlé de ça, donc je vais en profiter pour le faire parce que ça fait partie de mes positifs, de mes updates de vie. Voilà, donc moi j'ai étudié en assistante dentaire. Au début j'étais pas sûre trop de qu'est-ce que je voulais faire et tout, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. De base je voulais être hygiéniste, mais en fait je me suis dit
Regarde, hygiéniste, j'avais pas les préalables qui étaient la chimie. Et en même temps, c'est 3 ans de cégep. Donc, je voulais vraiment être sûre d'aller vers ce domaine-là. J'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Et j'avais déjà vraiment tourné en rang quelques années sans vraiment savoir quoi faire. Donc, je me suis dit, regarde, je vais essayer assistante. C'est dans le même domaine et tout ça. Ça touche un peu. Et assistante, c'est juste un DEP d'un an en fait. Donc, j'ai fait le DEP. J'ai adoré ça. Donc ça m'a vraiment donné comme le feu vert pour me dire ok, le métier dentaire c'est fait pour moi. Donc je me suis dit ok, je suis contente de l'avoir fait jusqu'au bout. Donc là je vais pousser encore plus loin puis je vais aller hygiéniste. Ça c'est vraiment mon but en tout cas en ce moment de ce que je me vois faire en tant que métier dans la vie pour le moment. Donc voilà, donc j'ai commencé mes stages et tout ça, j'aime trop pour de vrai. Je pense que Dieu m'a vraiment bénie parce que en fait il m'a mis dans une clinique de rêve, genre je peux même pas vous expliquer la clinique. Moi en fait, je vous explique, on m'a fait un petit peu peur parce que j'entendais souvent des histoires comme quoi que parfois dans les cliniques dentaires, ben les dentistes ils sont grave méchants ou les dentistes ils se croient comme des dieux et toi ils te voient comme de la merde en fait. Ou tu peux tomber dans une clinique, le dentiste ben il va tellement être méchant puis se croire en haut de toi qu'il peut même te lancer des instruments. Et en fait, j'ai entendu plein d'histoires vraiment choquantes et traumatisantes et ça m'a vraiment mis un froid quand j'ai commencé mes stages parce que je savais pas dans quoi je me lançais, dans quelle clinique c'était et tout ça. C'était vraiment ma première fois. Donc finalement, je suis allée puis c'est vraiment pas comme je m'y attendais en fait. Donc comme les professeurs me parlaient, comme j'entendais de la bouche de certaines personnes, c'était vraiment pas ça en fait. Genre, je suis tombée vraiment sur la clinique de rêve. Je suis vraiment reconnaissante, je suis vraiment contente. Les dentistes sont grave gentils, genre de ouf. Les employés n'en parlent même pas, ils sont grave gentils aussi, accueillants. Puis la clinique où je fais mes stages, ben, c'est une clinique vraiment de filles. Donc je me disais, oh, tu sais, les filles, des fois, ça fait du drama et tout ça. Tu sais jamais avec les filles, ils peuvent être hypocrites ou vouloir te backstabber pour se monter. Vous voyez un peu. Mais non, en fait, grave pas, genre pas du tout. Genre, c'est vraiment pas ça. Dieu m'a vraiment bénie. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment heureuse. En plus, la clinique est à 3 minutes en fait de chez moi en auto. Donc, c'est juste grave bien. L'emplacement est grave bien. J'aurais pas besoin de me précipiter le matin avec la neige, passer le pont et tout. Non, les gars, c'est à 3 minutes. Donc je suis trop contente pour ça aussi. Je suis vraiment reconnaissante. La dentiste avec qui je travaille, c'est une dentiste qui vient de graduer aussi. Donc elle est grave gentille. Elle est pas en position genre oh moi ça fait 9 ans que je suis là. Et puis tu vois, mais même la dentiste propriétaire que ça fait genre 15 ans, je sais pas trop combien d'années qu'elle est là, elle est même pas comme ça. Donc vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment bien en fait là-bas. Je suis grave bien accueillie. J'apprends bien parce que aussi dans cette clinique, c'est une clinique qu'on fait vraiment de tout. Donc il y a des maxillofaciales, il y a vraiment plein de spécialistes. Donc ça va vraiment grave m'apprendre en apprentissage dans le milieu dentaire. Donc je suis vraiment contente, je suis excitée. Voilà, donc ça c'est un gros positif pour moi. Aussi à ma clinique, donc ils m'ont proposé un salaire. Donc ça j'ai voulu le garder pour moi. Mais là je le dis parce que je me sens à l'aise de t'en parler. Donc voilà, donc en ce moment c'est sûr qu'il y a beaucoup de pénurie d'employés et tout ça. Un petit peu partout, pas juste dans le milieu dentaire mais un petit peu partout c'est comme ça. Alors ils m'ont dit, regarde, nous on a confiance en toi. On a vu un petit peu comment tu travailles, on a vu ton intérêt et tout. Puis dans le fond, ben, tu sais, on aimerait ça te mettre un petit peu plus indépendante. Et comme ça, tu travaillerais juste toi avec le dentiste, il n'y aurait personne derrière toi. Mais en échange, en fait, on t'offrira un salaire. Donc moi, je suis quelqu'un que dans la vie, j'ai grave confiance en moi. Je trouve que c'est important de se donner... pas de se donner le bénéfice du doute, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, je trouve que c'est important d'avoir confiance en toi puis de te dire, si les autres l'ont fait, moi aussi je peux le faire, tu vois. Comme moi aussi je vais y arriver. Il faut juste que tu donnes la motivation puis l'intérêt puis que t'aies vraiment envie puis ça va venir en fait. C'est pas sorcier, wesh. Donc voilà, donc j'ai accepté. Et ils m'ont offert un salaire, donc là je suis vraiment indépendante, j'ai mon dentiste, j'ai ma salle, j'ai mes responsabilités. Donc ça, pour de vrai,
Je suis trop contente. Donc, pour ceux qui savent aussi, j'ai déjà mon travail agent de sécurité. Donc, je suis agent de sécurité. Désolée, attendez, il faut juste que je coupe ma tulle là. Donc, voilà, il fallait que j'aille chercher un ciseau. Mais bref, je me souviens plus trop de qu'est-ce que je disais. Mais comme je disais, en fait, ils m'ont offert un salaire. Donc, je suis vraiment contente parce que déjà, ouais, c'est ça que je disais en fait. Déjà, de base, j'ai déjà mon travail étudiant qui est agent de sécurité. Et en fait, vu que je faisais mes stages à la clinique, ils m'ont offert un salaire. Donc, c'est comme si j'avais deux jobs et que je t'ai payé pour mon apprentissage, en fait, parce que je suis encore en apprentissage. Tu sais, je peux pas tout savoir du jour au lendemain. Tu sais, je viens quand même de finir l'école et tout ça. Donc, c'est sûr que je suis pas parfaite, mais de voir qu'ils ont vraiment eu confiance en moi et tout, ça me fait grave chaud au cœur parce que ça me donne ma chance. Puis, tu sais, ça me motive encore plus de me lever le matin puis de me dire comme « Oh, j'y vais puis je suis payée, là j'ai deux revenus, Dieu m'a vraiment bénie, je vous jure, je me sens bénie de Dieu. » Donc je prie, je dis merci au Seigneur parce que je suis trop contente, tout va bien, en tout cas en ce moment, si ce n'est pas de la dépression, mais tout va bien. Tu sais, ma clinique, elle est vraiment, c'est vraiment une clinique de rêve, c'est pas juste une clinique que quand tu vas travailler, tu te sens... Oh, je me réveille le matin puis je m'en vais travailler là. Si j'ai d'autres positifs dans ma vie en fait, c'est que je compte me lancer dans plusieurs projets parce que c'est sûr qu'un jour j'aimerais être entrepreneur et entreprendre mes propres affaires. Je suis pas encore prête à en parler de ça par exemple parce que je pense que quand dans la vie t'as des projets, c'est pas toujours bon d'en parler et d'en crier sur tous les toits. Oh ouais, moi je fais ça. Oh ouais, moi j'ai commencé ça. Parce que tu peux jamais savoir les intentions du monde. C'est sûr que la majorité des gens qui te regardent peuvent vraiment t'aimer et vouloir ton bonheur, mais en même temps on sait jamais. Puis c'est pas juste les gens qui t'aiment et qui veulent ton bonheur qui te regardent. Donc c'est sûr que partout il y a des gens mal intentionnés. Il faut en fait être aware que parfois c'est bon aussi de pas trop parler de tes projets, de tes affaires et tout ça. Donc c'est sûr que j'en parlerai juste vraiment quand tout ça sera réalisé et que ça sera vraiment accompli. Et là, c'est sûr qu'après, ça sera vraiment un grand bonheur vraiment de partager ça avec vous en fait, parce que vous êtes la mif quoi, vous êtes la famille quoi. Donc voilà. Voilà, donc je vais juste couler ma pépé, désolée. Dans les côtés négatifs, c'est sûr que, comme j'ai dit au départ, je suis vraiment... En fait, je suis vraiment... pas en dépression, mais je suis pas bien, en fait, comme j'ai dit au début, face à tout ce qui se passe et tout ça. Donc, pour ceux qui savent pas, j'ai perdu mon père, ça fait déjà de cela 5 ans. C'est sûr que j'y repense beaucoup ces derniers temps. Je pense beaucoup à lui, c'est sûr que ça me rend vraiment pensive. Je pense souvent à la chanson qu'on chantait souvent ensemble, en famille, parce que quand on était avec lui, on chantait souvent des chansons. En fait, mon père, il était vraiment du style, il nous réunissait, moi, mes frères et sœurs, et il nous réunissait genre dans le salon ou à l'église et tout ça, puis il disait bon, je vais vous apprendre une chanson, on va chanter ça ensemble, puis on chantait tout le monde ensemble et tout, mes frères et sœurs. Donc c'est sûr que ça me rend vraiment émotive. Je pense souvent à la chanson qu'il aimait, que moi et ma petite sœur on chante pour lui. Faut pas que je pleure. Ça va bientôt faire 5 ans qu'il est parti. Moi et ma famille, en fait, on est en train d'économiser des sous pour lui... En fait, pour acheter une pierre tombale. Donc, voilà. Au moment, on n'avait pas encore les moyens de se le permettre. Mais là, on a décidé, en fait, de cotiser tout le monde, de mettre un petit quelque chose pour réunir l'argent, en fait, pour l'honorer et ne pas le laisser partir comme ça. Donc, vraiment... lui offrir une pierre tombale, je pense qu'il mérite, je pense que c'est légitime. Voilà, je pense souvent à lui, je fais souvent des rêves par rapport à lui. Je sais pas,
Peut-être qu'il est là autour de moi à me protéger, à regarder ce que je fais. Puis il me regarde comment j'avance dans la vie. Et je me dis toujours que c'est sûr qu'il est fier de moi. Donc c'est sûr que ça, c'est... Ça me rend beaucoup émotive, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment et tout. C'est sûr que je pense beaucoup à ça. Je ferai une vidéo avec mes frères et sœurs où on chante la chanson que mon père aimait souvent chanter avec nous. Ça serait trop bien. J'y pense, ça fait un petit bout de temps. Il faut juste que je prenne le temps de réunir mes frères et sœurs, puis qui sait, peut-être qu'ils voudront, qu'ils accepteront. Puis je pense aussi que ça va vous plaire de voir ça. En tout cas, moi je trouve que c'est quelque chose de beau à faire. Et dans notre famille, on chante tous. Donc mon petit frère chante, ma sœur chante, mon grand frère chante, moi je chante. Mon père il chantait, on chante tous dans notre famille. Il y a juste ma mère qui chante pas trop, mais sinon on chante tous. Donc ça serait quelque chose d'intéressant à faire en tout cas. Bref, sinon, moi je le dis souvent, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis de base. Et j'ai l'impression que parfois, plus le temps avance en fait, plus je vois des gens s'éloigner de moi ou l'inverse. Non, en fait, plus le temps avance, plus je me vois m'éloigner de certaines personnes que je trouve pas nécessairement bien pour moi. Je veux pas dire en fait que ces personnes-là sont des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, mais je trouve juste que ces personnes-là sont pas des personnes bien pour moi en fait, pour ma vie, pour mon avancement dans mes projets ou dans mes affaires personnelles. Je trouve juste que ça cliquait pas en fait. Et parfois quand ça clique pas, je peux même t'aimer, je sais pas, à un niveau vraiment fort, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Quand il y a un blocage, il y a un blocage. Donc voilà, ces derniers temps, c'est sûr que... en tout, je pourrais dire en fait que j'ai 3 amis. J'ai vraiment pas beaucoup d'amis, je garde vraiment pas beaucoup de gens autour de moi. C'est juste parce que je suis comme ça en fait. Je suis quelqu'un que... J'aime ça être seule, j'aime ça avoir mon espace, j'aime ça... rester à la maison, pas sortir, je suis vraiment casanière, je suis vraiment lonely en fait et je suis bien là-dedans. C'est même pas parce que j'essaye de faire la meuf ou que je suis comme « oh je suis trop bien pour eux », non même pas, c'est juste que je suis comme ça de nature, je suis comme ça de base. Donc voilà, mais comme je disais, parfois il y a des filles ou des gens ou des mecs même amis que tu peux, ça peut vraiment cliquer avec, mais si tu vois que cette personne ne... C'est difficile à expliquer. Si tu vois que cette personne-là n'était juste peut-être pas destinée à être... Je sais, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que j'essaye de dire? Ouais, je pense que... Là, je perds mes mots, mais... Pour dire que je me suis éloignée de certaines personnes parce que j'avais l'impression que ces certaines personnes-là étaient des blocages pour moi dans ma vie. Dans le fond, je vais vous expliquer quelques situations qui m'est arrivée avec cette personne en particulier. Je n'aimerais pas de nom, mais juste pour vous mettre en contexte, en fait. Donc, je veux pas mal parler de la personne. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour bâcher personne. Je fais juste, en fait, raconter ce qui m'est arrivé, en fait, avec la personne. Donc, je vous mets en contexte. Cette personne-là, en fait, comme je vous ai dit dans mes côtés positifs, moi, je suis vraiment quelqu'un, je suis travaillante. Je fais tout pour comme faire l'argent, tu sais, me prendre en main, réaliser mes projets, être indépendante et tout ça, économiser pour mon futur. Donc, I mean, à un moment donné, quand vous grandissez, vous êtes rendu à un certain âge que il y a plus le temps de niaiser en fait, il y a plus le temps, on a plus 16 ans en fait, vous voyez ce que je veux dire, genre il faut prendre tes affaires en main, il faut prendre tes responsabilités, il faut travailler, faut aller à l'école, je dis pas ça pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde après, je dis pas ça, mais je dis qu'à un moment donné dans la vie, ben quand tu grandis, t'as moins le temps d'aller au parc ou d'aller prendre un verre ou d'aller chiller. À un moment donné, tu sais, il va falloir que tu prennes tes responsabilités et tout. Donc, cette personne-là que malheureusement j'ai dû m'éloigner de, j'ai senti l'obligation un petit peu de prendre mes distances parce que j'avais l'impression qu'elle me retenait vraiment vers derrière, vers le bas. Je vous donne un exemple. Je travaille beaucoup, j'ai 2 jobs. J'ai mes stages. En fait,
j'ai mes stages. Mes stages, je les fais du lundi au jeudi. Je vais travailler à la clinique. Donc, on couvre vraiment beaucoup là. Tu sais, c'est comme non-stop. Il y a la stérilisation à faire, il y a le ménage, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est vraiment une vraie job quoi. Sans compter la job que j'ai en agent de sécurité. Donc, c'est comme si littéralement, moi, je travaillais 7 jours sur 7, littéralement. Donc, vous devez un petit peu comprendre la fatigue, l'accumulation de fatigue qui s'accumule dans mon corps. Le fait que j'ai moins de temps pour faire mes propres affaires, telles que YouTube ou m'entraîner ou tu sais, des plaisirs personnels que t'aimerais te faire plaisir, quoi. Je sais pas, cuisiner, faire du sport, aller au gym, aller au restaurant. T'as moins de temps pour ça parce que je travaille tout le temps, 7 jours sur 7. Puis le seul moment que je pense quand j'ai du temps libre, c'est soit de manger, de prendre soin de moi, de m'arranger, de prendre du temps pour prendre soin de moi, tel que faire mes ongles, faire mes cheveux. Ou même ça, je pense même plus à ça tellement que je suis fatiguée. Ou même la première chose que je pense quand j'ai du temps libre, c'est de dormir, me reposer, prendre des forces pour recommencer la journée du lendemain, vous voyez. Et cette personne-là, j'avais l'impression qu'elle n'arrivait pas à comprendre et à accepter mon nouveau mode de vie, que je deviens grande, je dois m'accomplir, j'ai des responsabilités, j'ai des choses à faire. J'avais l'impression qu'elle me reprochait souvent d'être occupée, comme si que j'avais quelque chose contre elle, ou elle me reprochait souvent de « Ah, oh, tu sais, t'es distante, je te vois plus, nanana. » Puis je devais toujours lui... En fait, c'est toujours la même chanson qu'il jouait. Je devais toujours lui expliquer que, ben, tu sais, j'ai mes stages, je travaille, je suis fatiguée. Quand j'ai du temps, j'essaye de faire du montage pour mes vidéos. C'est pas facile. J'ai mal partout, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai pas le temps. J'avais l'impression que c'était souvent des chicanes, des reproches, des accusations, oh, t'es jamais là, t'as pas le temps. Mais faut aussi que tu comprennes que moi, il faut que j'avance dans mes affaires, j'ai ma vie, j'ai mes affaires, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je pense à moi aussi. Genre, tu sais, je veux pas être selfish, comme c'est sûr que les gens que j'aime et tout, je veux leur faire du temps. Oui, mais je peux pas non plus te voir 3-4 fois par semaine pour que toi tu sois heureux, pour que toi tu sois satisfait. Non, il faut aussi que je pense à moi, il faut aussi que je pense à ma propre santé, à mes propres besoins. Cette personne aussi, elle me... En fait, on va l'appeler... En fait, là, je suis littéralement en train de vous raconter une mini story time. On va l'appeler Rebecca, ok? Donc, Rebecca aussi, donc, me faisait souvent des reproches comme quoi que... donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai 3 amis. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas beaucoup d'amis. Et en fait, ce qu'elle me faisait souvent, c'est que quand je traînais avec une amie en particulier et qu'elle, elle était pas là ou que je l'invitais pas, ben, elle se fâchait contre moi. C'était toujours genre... on va dire par exemple, parce que ça, c'est une situation qui m'était vraiment arrivée avec elle. Donc j'étais partie manger au restaurant avec une de mes amies. Et en fait, l'autre amie que j'ai dû m'éloigner, cette amie-là, ben, elle m'appelait, puis elle me faisait souvent des reproches comme quoi que « Oh allô, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» et tout. Puis je lui disais que « Oh ben je suis avec telle personne en train de déjeuner. » Et elle me faisait souvent des « Oh, j'arrive pas à croire que je suis pas là !» ou « Oh, j'arrive pas à croire que tu m'as pas invité. Pourquoi moi je suis pas invitée? Pourquoi moi je suis pas là ?» Mais comme, je comprends qu'on est amis, qu'on s'aime et tout, mais tu sais, j'ai aussi ma vie, tu sais, j'ai le droit de traîner avec qui je veux sans que nécessairement tu sois là, ou ça veut pas dire que nécessairement j'ai quelque chose contre toi, ou je vois pas pourquoi tu réagis de telle manière, je vois pas pourquoi tu me dis « j'arrive pas à croire que tu m'as pas invité », je sais pas, je commençais à trouver que notre amitié commençait à devenir nocif, too much, comme si que... cette personne était trop possessive envers moi et je me sentais mal à l'aise là-dedans parce que, comme je vous ai dit, j'avais l'impression que je devais toujours me forcer de lui trouver du temps pour qu'elle soit contente, de chiller avec elle parce qu'elle se sentait seule, ou c'était souvent ça. Donc je me sentais toujours que je devais faire des efforts pour elle, mais que je m'oubliais un petit peu là-dedans, déjà que j'avais 2 travails, que j'avais ci, que j'avais ça, que j'avais mon YouTube, que j'avais même pas le temps de faire mes propres affaires. Et j'avais l'impression que malgré le temps que je faisais pour lui donner, c'était jamais assez. Donc, je me suis dit, regarde, tu sais, on est amis et tout, mais parfois, faut juste let it go. Genre, je suis rendue là dans ma vie, tu sais, j'ai plus le temps de me chicaner pour pourquoi qu'on n'a pas chillé hier. Tu sais, j'ai plus vraiment le temps pour ça, puis je pense que c'est compréhensible, tu sais. C'est pas comme si je faisais quelque chose de mal d'autres, ou que je voulais juste être ditchée pour le fun ou whatever. Bref, il y avait plein d'autres situations comme ça que c'était vraiment malaisant. Ou même quand
je traînais avec certaines personnes de ma famille, telles que ma cousine, ben, elle me prenait souvent à part, puis elle me faisait de la morale, genre littéralement, puis elle me disait genre, mais pourquoi tu traînes plus avec ta cousine qu'avec moi, tu sais, d'habitude c'est moi, puis je suis comme, mais je comprends pas pourquoi c'est un problème, tu vois, genre, je sais pas, je commençais vraiment à me sentir étouffée, comme si que je devais lui rendre des comptes, comme si que tout ce que je fais, elle doit être là, comme si que, je sais pas, je commençais vraiment à trouver ça lourd, nocif, je sais pas si je suis folle, je sais pas si c'est moi, dites-moi qu'est-ce que vous pensez en commentaire. Mais pour moi, j'en pouvais juste plus. Et ça, c'est certaines situations qui m'est arrivée parmi tant d'autres. Je veux pas vous raconter vraiment de fond en comble tout ce qui s'est passé parce que on n'est pas là vraiment pour ça. Mais tout ça pour vous dire que parfois dans la vie, ça se peut que tu finisses seul. Puis pas nécessairement seul, mais tu sais que ton cercle qui se rapetisse vraiment beaucoup. Puis moi, je pense pas que c'est la fin du monde tant que t'es bien avec toi, tant que tu fais les bons choix pour toi, tant que t'avances dans tes projets, tant que tu penses à toi. Ben, je pense que c'est ça qui compte en fait. Bon, les gars, je pense que je suis assez satisfaite du résultat final. Je pense que je l'ai tué. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En ce moment, je suis grave dans le moment des pépés courtes. Parce que flemme en fait des longues pépés qui s'entremettent dans les manteaux d'hiver et tout ça. I'm not in my mood. I'm not in that mood. I'm gonna take un petit peu de coconut milk. Juste un petit peu. Pour que ça donne une petite shinance quoi. Donc voilà, comme ça. Et il me reste juste à aplatir le top avec ce petit fer. Habituellement, j'avais un peigne chauffant, mais je l'ai perdu en fait. Je sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Là, il se voit même pas, les gars. Est-ce que vous voyez ou pas? C'est grave clean. Bon les gars, alors je pense que je suis assez satisfaite du rendu, franchement, je trouve que ça me fait grave bien les cheveux courts. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et de dos, je vous montre. Donc voilà! Donc voilà les gars, donc je sais que je fais pas beaucoup de vidéos comme ça qu'on parle et tout ça, que je vous raconte un petit peu ma vie, que je vous raconte un peu ce qui se passe de positif ou de négatif et tout ça, le moral, comment ça va. Je sais qu'on se parle pas beaucoup par rapport à ça, donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour vous updater aussi, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu mystérieuse ces derniers temps. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser des likes, donc c'est juste ici, c'est gratuit, vous savez déjà, donc likez, partager au max, commenter et voilà, donc je vous fais des gros bisous et on se revoit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les gars.